Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mangard Design, j'espère que vous allez bien et on est parti aujourd'hui pour un nouvel enregistrement. Alors, j'y ai passé à peu près 4 ou 5 heures parce que entre les moments où je faisais des pauses, c'est pour ça d'ailleurs que je dois avoir une gueule de bien défoncée parce que en ce moment je suis en train d'enregistrer la vidéo, il est 1h24 et je commence à avoir la voix un petit peu défoncée parce qu'à force de faire des voix un petit peu spéciales, parce que oui, vous l'aurez bien compris. Ce sera la deuxième vidéo de doublage où je vais doubler cette fois-ci Kung Fu Panda sur une scène qui est disponible aussi sur YouTube où je vous invite à vous abonner à la chaîne sur laquelle j'ai pris. Et nous sommes partis sur la vidéo. Parce que alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça d'ailleurs? Si vous vous posez la question, c'est parce que la première vous avait bien plu. Alors je me suis dit, tiens, bah pourquoi? Pourquoi pas en faire une deuxième, vu qu'il y en a d'autres qui sont disponibles sur Internet. Après, ce qui serait bien, ce serait de le faire avec, l'un d'entre vous, ce qui pourrait être super sympathique en fait. Après, il suffit juste d'avoir un bon micro et une bonne manière d'enregistrer, et puis voilà. Après, on se donne des rôles, et puis on trouve les vidéos sur Internet de toute façon très facilement. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et on se retrouve juste après. Non, tu ne peux pas t'en aller. Un vrai guerrier ne renonce jamais. Sauf moi. C'est bon quoi? Comment je pourrais battre Tai Long? J'arrive même pas à vous battre à la course. Tu vas le battre parce que tu es le guerrier dragon. Aïe, vous n'y croyez pas une seconde! Vous n'y avez jamais cru à l'instant où j'ai mis les pieds ici, vous avez essayé de vous débarrasser de moi! Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je te demande de me faire confiance à ton maître comme j'ai été appelé à faire confiance au mien. Oh, vous n'êtes pas mon maître et je ne suis pas le guerrier dragon! Alors pourquoi n'as-tu pas renoncé? Tu voyais bien que je ne voulais pas de toi et tu restais. Oui, je suis resté! Je suis resté! Parce que chaque fois que je vous jetais une brique sur ma tête ou dit que je sentais mauvais, c'était dur. Mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à me lever les matins dans ma peau à moi. Je suis resté parce que il y avait une chance que quelqu'un puisse faire de moi. Hein, pas moi. Ah pas, c'était vous. Le plus grand maître de Kung Fu de toute la Chine. Mais je peux t'aider à changer. Je sais que je peux faire de toi le guerrier dragon et je le ferai. Oh, c'est fini, oui. Tai Lung arrive, il est déjà en route. Et même s'il devait mettre un siècle à venir, vous feriez comment, hein, pour changer ça? Oh, guerrier dragon! Hein? Comment? Comment? Alors? Je l'ignore! Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je suis de retour juste après la vidéo et j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un petit peu. Alors bien sûr j'ai exagéré sur le fait de la voix, c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu. Parce qu'on travaille beaucoup là et là pour la voix de Po, je crois que c'est son nom dans dans l'anime. Enfin, si mes souvenirs sont exacts. Et c'était quand même du boulot, mais j'espère que bah, ça vous aura plu. Que bon, bien sûr, c'est pas parfait parce que je vais pas passer mon temps à faire un truc perfect. Et voilà. Bon, bah écoutez, donnez votre avis. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un truc. Si vous avez d'ailleurs des vidéos avec une bande rythmo comme ça, là, comme ce que je fais en vidéo. Où je pourrais faire un doublage dessus avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Sur ce, bah, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou suivant quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Certainement que ce sera en live demain. Parce que demain on est mercredi, je crois. Donc.
peut-être que je viendrai en live. Mais ça reste à voir. Allez, je vous dis à la prochaine. À la prochaine, allez. Ciao.